Bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver masqués, protégés donc, au cœur de ce marché du Mourenx, à l'occasion des festi-marchés qui, vous le savez, animent le bassin de la Cortèze tout le long du mois d'août. Nous avons une nouvelle fois délocalisé le plateau de Bonsoir le Béarn au cœur de ce marché du Mourenx, place du Béarn précisément, et ce afin non seulement d'offrir de très nombreux cadeaux aux Mourenxoises et Mourenxois et aux habitués du marché avec notre jeu Le Mur de la Chance, animé par Christophe Gomez. Et puis dans quelques instants, je recevrai ici des invités avec qui nous allons parler de l'offre commerciale sur ce bassin de lac et en particulier ici à Mourenx. Une offre commerciale qui, vous le savez, est multipliée à l'occasion des marchés hebdomadaires, mais qui est également extrêmement riche tout le long de l'année. Nous en parlons dans quelques instants avec nos invités sur le plateau de Bonsoir le Béarn au cœur des festi-marchés. A tout de suite. Si vous nous rejoignez, donc soyez les bienvenus, nous sommes au cœur de la place du Béarn où nous avons installé le plateau de Bonsoir le Béarn à l'occasion de ces festi-marchés. Vous savez que nous suivons chaque jour de la semaine, nous suivons le programme de ces festi-marchés organisés par la communauté des communes de la Cortèze. Monsieur Le Chit, vous qui êtes vice-président chargé du commerce et de l'artisanat à la communauté des communes de la Cortèze, vous nous avez déjà accueillis mardi lorsque nous étions sur le marché d'Orthez. Nous sommes samedi ici sur le marché de Mourenx. À vos côtés, Samira Houri, la conseillère municipale déléguée à la foire et au marché. Nous parlerons des spécificités dessus de Mourenx, mais avant cela, une étape de plus dans ces festi-marchés que la communauté des communes de la Cortèze a souhaité cette année extrêmement animée au mois d'août. Pourquoi, monsieur Lichit ? Eh bien, tout simplement parce que cette année n'était pas une année courante, malheureusement. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse se dire. Et l'inaction commençait à nous peser, et je crois qu'elle pesait aussi à tous les habitants de notre communauté. Et je crois que de mettre un peu d'animation tout au long des semaines, ça permet de prendre un rythme de vie. Et je voudrais en profiter pour dire bonjour, bien sûr, à tous les Mourenxois de la part de l'ensemble du territoire de la communauté de communes de Lac. Parce que s'il y a un mot qu'il faut dire ici, je crois que c'est le mot accueil. C'est vrai. Cette ville a été créée pour accueillir tous ceux qui sont venus mettre en valeur notre territoire. Cette ville a accueilli des populations dans des moments difficiles, et voire dramatiques. Et depuis, tout le monde est resté, tout le monde s'est mélangé. Et ce mot accueil est toujours une réalité ici à Mourenx. Absolument. Et puis d'ailleurs, le maire Patrice Laurent, le maire de Mourenx, était au micro de Christophe Gomez il y a quelques minutes. Et on va l'entendre avant de nous retrouver ici en plateau. Et il va revenir évidemment sur cet ADN d'accueil de cette ville nouvelle de Mourenx qui abrite ses festi-marchés ce matin. On l'écoute, à tout de suite. Oui, ce qui fait la richesse de la ville, c'est son marché le samedi matin et le mercredi matin. Les gens y sont très attachés et les commerçants aussi, hein, ils nous l'ont fait savoir. Ils nous le font savoir, il y a de très très bons produits et c'est important que les gens puissent consommer local, puissent consommer des choses qui ont été produites à côté de chez nous. C'est une dimension aujourd'hui qui est de plus en plus prégnante dans la société. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la vie, la vitalité et la vie qu'il y a autour de cette action commerciale finalement. Hein. C'est l'idée de se retrouver, l'idée d'échanger, l'idée de raconter les potins aussi. Hein. C'est ce qui fait la richesse du marché, je le dis avec le sourire. Et surtout, enfin voilà, c'est d'offrir une fenêtre aux gens, une fenêtre de bonheur dans un quotidien qui parfois peut être marqué par de l'actualité et qui a besoin de ces fenêtres-là. Alors c'est vrai qu'on sent la difficulté. C'est d'ailleurs, vous êtes un petit peu l'une des personnalités qui a instauré cette opération, parce que vous avez ressenti de la part de vos administrés également certaines personnes qui n'ont cette année pas pu partir en vacances. C'est vrai que vous avez un public et des administrés un peu cosmopolites, donc certains ont l'habitude de rentrer dans leur pays d'origine, et malheureusement cet été ils sont restés bloqués ici en France et à Mourenx. Et c'est vrai que c'était l'occasion également de leur proposer comme cela sur le mois d'août un petit peu d'animation, un petit peu d'événements, un petit peu de musique, beaucoup de choses comme ça qui permettent de se retrouver, ce que vous disiez précédemment. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est coincé, mais c'est un,
une belle ville. Mourenx, c'est une belle destination. Donc, bon, coincé à Mourenx, c'est vrai que ça ne permet pas de s'évader, peut-être, de faire la coupure. Et donc, c'était important pour nous que les gens, les Mourenxois, aient cet esprit, cette idée de pouvoir se trimballer au marché, se promener, déambuler, avec un esprit un peu festif. Histoire d'offrir une fenêtre de vacances de quelques heures à l'occasion des marchés tout le mois d'août. Alors l'occasion également de vous recevoir aujourd'hui, c'est l'occasion également d'annoncer, d'informer également vos administrés sur certains aménagements qui vont avoir lieu sur la ville, ce que vous êtes en train de mettre en place avec l'arrivée en plus de nouveaux commerçants, donc l'occasion à nouveau de donner un nouvel aspect à ce centre-ville, à l'un des poumons du Béarn. Oui, c'est important pour nous. On a des commerces qui ont rouvert. Hein. Je pense au bureau de tabac au quartier Est. On a une boucherie qui a ouvert en centre-ville, une autre qui a été reprise. On a au BKF aussi qui propose des kebabs qui sont délicieux, vraiment délicieux, à des prix qui défient toute concurrence. Et puis les autres commerces qui sont là, toujours là, qui se développent. C'est important pour nous de soutenir ce tissu commercial. Et puis en même temps, les marchands ambulants, vous en avez parlé, qui font la richesse hein, et qui sont aussi le poumon économique et commercial de la commune. Tout à fait. Alors vous avez aménagé en plus de nouveaux secteurs, comme par exemple la place de Navarre, je crois, où il y a des nouvelles places de parking. Et puis surtout là, à quelques mètres de nous, vous avez un gros rendez-vous, un pôle santé qui va avoir le jour. Oui, vous avez parlé de la place du Béarn, c'est bien de le préciser, 20 places de parking supplémentaires pour permettre à tout le monde de venir au marché dans de bonnes conditions. Et puis le pôle santé qui sera un poumon économique pour le cœur de ville avec beaucoup de passages. On aura beaucoup de professionnels de santé ou parasanté, 3 infirmières, 3 dentistes, podologues, ostéopathes, 3 sages-femmes, j'en oublie, hein, je ne vais pas vous faire la liste. Mais donc c'est un flux supplémentaire qui viendra alimenter le cœur de ville et nos commerces. Et puis un peu plus loin d'ici aussi, on refait l'entrée de ville du côté de la boulangerie Drive dans le secteur d'Osmarcillon, où là on réaménage de manière assez lourde toute l'entrée de ville, et où Bricomarché, qui est sur la commune aussi, va tourner l'entrée de son magasin côté route et agrandir sa surface commerciale. Donc vous le voyez, les choses se passent plutôt bien, on a des investissements et on a de l'activité dans un moment particulier où parfois elle peut manquer dans d'autres secteurs. Eh bien écoutez, monsieur le maire, merci en tout cas de votre accueil ici même. Encore une belle journée que nous allons passer à Mourenx. Une journée qui se veut aujourd'hui ensoleillée. On espère qu'elle le sera tout au long du mois d'août. Voilà, alors Samira Houri, vous êtes la conseillère municipale déléguée à la foire et au marché. Alors moi, c'est une tradition depuis à peu près 25 ans, ou 26 peut-être, c'est de venir chaque année, en effet au printemps, animer cette foire de Mourenx avec nos équipes de Créa Sud. Et cette année, parmi toutes les foires annulées, et on n'est pas à l'abri que la plus grande du département le soit également dans quelques heures, malheureusement on va se le dire, la foire de Mourenx, elle n'a pu évidemment avoir lieu, d'autant qu'on était en plein cœur à ce moment-là du confinement, ça a été la mort dans l'âme, qu'il a fallu renoncer à ce qui est finalement une institution maintenant dans le calendrier commercial et économique de ce territoire. Oui, donc on a dû annuler malheureusement cette année la foire de Mourenx. Je pense que ça a été un regret pour tout le monde de devoir l'annuler. Maintenant, on espère pouvoir revenir l'année prochaine avec une foire encore plus belle et encore plus dynamique pour oublier celle qui n'a pas pu se faire cette année. Absolument, parce que pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, cette foire de Mourenx, elle a la particularité, mine de rien, d'être totalement gratuite, à ciel ouvert, un grand marché à ciel ouvert. Il n'y a pas que la partie marché, il y a également une partie vitrine hein, de l'activité économique, associative, culturelle de ce territoire. Et mine de rien, c'est quelques 25 000, 30 000 personnes qui, en l'espace de deux jours, envahissent dans le bon sens du terme la ville nouvelle, qui déjà, chaque semaine, a maintenu un marché extrêmement dynamique, celui du samedi par exemple. Oui, donc on a le marché de Mourenx le samedi, qui est un grand marché, un beau marché, et on espère qu'il soit encore plus dynamique par les temps à venir, comme on a eu malheureusement
le marché pendant la foire, enfin, pendant le coronavirus pardon, qui a dû être annulé. Et oui. Donc on espère que dans les temps à venir, qu'on puisse avoir plus d'animation et beaucoup plus de commerçants et puis de monde également. Alors c'est un marché dans lequel on retrouve non seulement une partie alimentaire, mais également une partie, allez on va dire commerce ambulant, parce que l'âme des marchés, ça a souvent été justement ces commerçants ambulants qui venaient proposer à la fois des vêtements, du prêt-à-porter ou autre. Et ça fait partie de ces rares, entre guillemets, marchés où l'on retrouve cette mixité entre le côté producteur, maraîcher, alimentaire et le côté également commerçant ambulant. Oui, donc à Mourenx, on a la chance de pouvoir avoir plusieurs commerçants, plusieurs spécialités. Donc on a l'alimentaire, les vêtements et autres. Et on espère pouvoir faire venir et accueillir encore plus de diversité sur notre marché. Alors vous qui êtes en charge de cette foire et de ces marchés, ça rentre dans une logique qui est également une logique de valorisation de l'offre commerciale en général. Nous recevons dans quelques petites minutes une représentante de l'Office de commerce et de l'artisanat du bassin de Lac. On parlera des atouts donc, hein, et du dynamisme des commerçants et des artisans, mais c'est un ensemble, on est bien d'accord finalement, qui donne de la vie et de la dynamique commerciale à la ville et au bassin. Oui, c'est nos commerçants, c'est nos sédentaires, non sédentaires qui viennent les samedis, les mercredis, et ceux qui sont là tout au long de l'année qui dynamisent la ville. Et on espère pouvoir le faire encore longtemps. Parce que toutes les actions menées par la CCLO sont des actions qui finalement sont là au service, encore une fois, de l'attractivité économique et de la dynamique économique pour celles et ceux qui sont déjà installés, monsieur Léchit. Tout à fait. Nous sommes... quelque part un service de coordination, émetteur d'idées également, et nous souhaitons que tous les acteurs soient présents sur toutes les manifestations. J'en profiterai même aujourd'hui pour dire, puisqu'on a parlé un peu de la foire, eh bien que nous souhaitons que lors des foires, les commerçants sédentaires soient aussi partie prenante bien visible de ces moments qui sont importants et qui drainent quand même beaucoup de monde. Quoi. Absolument. Alors on va faire donc connaissance en quelques instants avec les atouts de l'Office de commerce qui est ici sur le bassin de Lac, Office de commerce et de l'artisanat, parce que n'oublions pas le domaine de l'artisanat hein, qui est extrêmement développé ici même. On va parler également de l'Office de tourisme parce que vous avez la chance d'avoir sur ce territoire des offices extrêmement dynamiques. C'est ce que nous allons faire après avoir marqué une toute petite pause. À tout de suite. De retour donc sur notre plateau délocalisé au cœur de la place du Béarn à l'occasion de ces festi-marchés qui, vous le savez, animent l'ensemble du bassin de la Corthèse, un ensemble qui est particulièrement dynamique en matière commerciale, artisanale, et ce, en particulier avec l'Office de commerce et de l'artisanat qui regroupe, qui fédère l'ensemble des commerçants, des artisans du bassin. Aline Lafourcade en est la secrétaire adjointe. Vous allez nous parler tout à l'heure de cette dynamique extrêmement forte, et puis nous allons revenir sur les atouts également touristiques, mais qui sont pas loin du commerce, bien souvent, que nous avons sur ce territoire, en compagnie de Laura Grande, qui représente l'Office de tourisme Cœur de Béarn, dont nous avons déjà parlé avec votre collègue lorsque nous étions sur le marché d'Orthèse. Aline Lafourcade, tout d'abord, pourquoi autant de commerçants, autant d'artisans décident de jouer groupés, de ne pas être simplement dans les préoccupations qui sont déjà très importantes, surtout dans la période que nous traversons, propre à chaque activité, mais finalement de se rassembler, de jouer l'union, et quelque part la force lorsqu'on voit votre petit annuaire que vous avez mis en place avec l'ensemble des métiers qui sont représentés, on se dit que finalement sur ce territoire, en commerce, en activité, en service, etc., on a un champ incomparable pour évidemment des services et une vie quotidienne de qualité. Je me trompe en disant ça ? Écoutez, Eric, vous avez tout dit. Il est vrai qu'il est fondamental sur un territoire comme le bassin de Lac et Orthèse que les gens, les clients, toute la zone de chalandise soient dans une promotion avec la richesse, la diversité de tous les commerçants et artisans. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, on a tout sur la main. Donc nous, l'intérêt, c'est de véhiculer, grâce à Fanny et Isabelle, donc, qui sont les deux co-managers de l'Office de commerce et d'artisanat, d'avoir deux personnes sur le terrain comme ça qui va promouvoir nos commerçants et artisans. Des commerçants et des artisans, là, je feuillette votre guide. Ça fait longtemps qu'on connaît l'Office de commerce et d'artisanat de ce territoire, mais je feuillette votre guide. Vous avez eu la bonne idée de faire des trombinoscopes assez sympas, d'ailleurs assez originaux de ces commerçants, de ces artisans, qui montrent bien que finalement, sur ce territoire, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes, le commerce et le service.
Et ces hommes et ces femmes, j'ai envie de dire qu'il y a un sacré renouvellement au fil des ans. Vous avez une belle illustration aussi. Il y a un vent, je ne vais pas dire de jeunesse, parce que ce n'est pas pour faire du jeunisme, mais on sent bien que les commerçants, les artisans se sont renouvelés, qu'il y a un vent de... oui, on y croit, il y a une dynamique commerciale sur ce territoire, on le voit. Hein. Exactement, il y a à la fois des commerçants et artisans qui ont une réputation, qui ont plusieurs dizaines d'années, et aussi des nouveaux qui arrivent. Donc à la fois cette expérience et puis cette nouveauté, cette fraîcheur fait du bien à tout le territoire. Faut savoir que d'entrée de jeu, il y a 7 ans, quand on a fait l'office, on a voulu immédiatement communiquer sur le visage, sur le portrait, sur mettre un visage justement par rapport à la froideur parfois des sites internet. Et oui. D'avoir en effet des clients qui peuvent se projeter dans un sourire, dans un regard. Et donc chaque année, en effet, l'annuaire répond aux gens qui aiment bien cette texture papier, feuilleter un livre, voir toute la richesse du territoire, décrocher son téléphone, appeler. Et puis pour ceux qui ne sont pas très papier, l'office a aussi mis en place un site internet. Et on va le voir là justement à l'image. Exactement. Regardez, on le voit. Ah bah super. Et ce site internet, il regroupe finalement également ces fameux portraits. Oui, aussi, et aussi d'autres images qui permettent de refléter, en effet, tous ces adhérents de l'office de commerce. Je n'ai pas parlé un peu chiffres, c'est toujours un petit peu bien. Allez-y, aujourd'hui, allez-y. On est à 224 adhérents, on a démarré à une 150aine. Ça va. Il est vrai qu'il y a des associations locales qu'on aide aussi, qu'on accompagne sur Monin, Arthès de Béarn et donc sur Mourenx. C'est vrai que aussi notre volonté... Alors, sur ces 224 adhérents, il faut savoir qu'il y a la moitié d'artisans. Ouais. Ensuite, il y a à peu près 80 commerçants et puis des micro-entreprises. Et donc, faut savoir qu'on gagne à peu près 10% de nouveaux adhérents. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est vrai qu'il est bien d'avoir à chaque fois de la fraîcheur, de la nouveauté. Et ce qui fait que l'annuaire est unique chaque année. Alors, on traverse encore une période tout à fait particulière et on sort d'une période qu'il a été encore davantage avec le confinement et avec finalement un rôle qu'on a retrouvé auprès des commerçants, mais aussi des collaborateurs, ceux qui ont tenu les boutiques, ceux qui ont rendu les services, ceux qui étaient là pour délivrer des produits et autres. Est-ce que ça vous donne envie de dire encore plus qu'avant aux populations, regardez, tout l'intérêt de consommer local, il est là. On joue le jeu, mais jouez le jeu aussi. Évidemment. Évidemment que c'est fondamental que le confinement ait servi aussi aux gens à mesurer que si on a tout sous la main à proximité, c'est super, super appréciable. Et puis en plus, à la sortie du confinement, de continuer à faire vivre des commerçants et des artisans qui ont souffert, mais qui sont là, qui se tiennent debout, qui se sont fait aider. Il faut savoir aussi que pendant le confinement, l'office, on a continué à se réunir par des réunions virtuelles pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir continuer aussi à alimenter les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est une des prochaines actions. On va filmer des adhérents, on va faire bien. Des petits clips sur les réseaux. On va continuer à communiquer, toujours pour les mettre en avant. Et ce qu'on attend des habitants, c'est de continuer à venir voir nos commerçants, nos artisans sur le territoire. Le message est clair. Cela dit, ce message, vous pourrez le partager, Laura Grande, parce qu'il y a non seulement les touristes qui viennent ponctuellement l'été, mais celles et ceux qui peuvent également fréquenter les animations, les balades dont vous allez parler ou autres, ce sont tout simplement les habitants du Béarn, de ce bassin qui est très grand, de ce bassin de vie qui est très grand, et du Béarn en général. Le message est un peu le même. Regardons localement, faisons-nous travailler, découvrons-nous les uns les autres. Oui, tout à fait. Les locaux découvrent de plus en plus le territoire, surtout en cette période. Moi, je vais vous parler un petit peu des animations qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Cette semaine. Au moment où enregistrons, pour être très clair, et on l'a dit en intro, on enregistre le samedi matin cette émission, mais elles sont diffusées en début de semaine. Donc, ce sont des animations toutes fraîches de la semaine, Laura, que vous nous proposez. Toutes fraîches, exactement. Absolument. Donc, à partir de lundi, on aura une visite guidée à Orthès à 15h. Et la même chose jeudi prochain, à 10h. Donc, une visite d'environ 2 heures. On parcourt un petit peu l'ensemble des rues anciennes d'Orthès et on découvre le vieux patrimoine et les principaux monuments. Ensuite, mardi, on va avoir la dernière balade vigneronne sur Monin, qui a connu cette année un vif succès. C'est la dernière. La dernière. Donc, ça sera au Clos Mazanger à Monin à 16h30. Donc, le principe, c'est d'être accompagné par un guide, de faire une balade d'environ 2 heures avec des commentaires sur le vignoble, sur les paysages. Mm-hmm. Et bien sûr, à la fin, dégustation de jurançon. Ça va sans dire, mais c'est bien en le disant, tout à fait. Voilà, dégustation de jurançon.
Ensuite, dans le même registre au niveau producteur, on a les derniers rendez-vous à la ferme. Donc, les producteurs qui vous ouvrent leurs portes. On a mercredi Givré des Prés à Castelcando qui vous feront découvrir les glaces qu'ils proposent avec leur lait bio. Et absolument. Également, vendredi, donc les chèvres de Brassens à Castétis qui vous feront découvrir leur exploitation et déguster du fromage de chèvre. Ce sont des endroits très sympas. On les a tous reçus, d'ailleurs, dans cette émission, parce que c'est d'abord des producteurs ou des éleveurs absolument formidables, des vignerons absolument formidables, et qu'ils ont tous envie de faire connaître leur métier. Il y a un côté transmission là, des savoir-faire qui est vraiment très agréable par les temps qui courent. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu le temps là cette semaine, à aller profiter de ces rendez-vous qui certes s'arrêtent au niveau du calendrier, mais ce sont tous des gens qui ont l'habitude de recevoir dans l'année et qui sauront vous accueillir à d'autres moments de l'année à l'intérieur de leur exploitation. Justement, à partir de septembre, on arrête tout, on ferme, on se donne rendez-vous au mois de juin? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Heureusement, la vie va continuer. Avec également d'autres animations, d'autres programmes, d'autres rendez-vous. D'autres animations, voilà, l'office de tourisme, nous on est ouvert toute l'année, donc on est là pour promouvoir tout ce qu'il y a à faire sur le territoire toute l'année. Absolument, voici quelques images une nouvelle fois de ce territoire, on en a passé la semaine dernière, mais on les revoit avec un grand plaisir. Un territoire au cœur du Béarn qui porte bien son nom finalement, où on retrouve à la fois l'identité de ce Béarn, mais où on est également tourné, vous le savez, vers l'avenir, vers l'innovation pour preuve. Regardez ces quelques images. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci.
On va quitter ce marché extrêmement sympathique de la ville de Mourenx où nous avons enregistré en ce samedi matin cette série d'émissions Bonsoir le Béarn. Demain d'ailleurs, à partir de 18h sur la chaîne locale.tv, mais également sur les réseaux sociaux ou bien sur le sillon.info qui diffuse, vous le savez, Bonsoir le Béarn. Nous nous retrouverons depuis le plateau installé donc au cœur du marché de Mourenx. On va en profiter pour faire quelques courses avec l'ensemble des producteurs, des maraîchers présents ici même. Le marché de Mourenx, c'est tous les samedis d'ailleurs, c'est une institution sur le bassin de lac. Ce qu'on vient de dire en Béarn. Il y a d'autres marchés qui font partie des institutions. Ce sont ceux, par exemple, qui animent la ville d'Orthez le mardi matin où nous étions la semaine dernière et où, mardi matin, vous pourrez vous rendre. Ceux d'Orthez, également de Béarn, le samedi où nous serons samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain au cœur du marché de Mourenx. Salut.